Salut à tous les amis, on se retrouve sur FIFA Fut, compagnie de Ronnie, un de mes amis, qu'on a partagé un très beau match et comme vous pouvez le voir déjà, je suis mené déjà 2 à 0. Je suis désolé, j'ai pas réussi à voir la vidéo en entier. Bon voilà, veuillez m'excuser, mais bon voilà, je voulais montrer un peu ce match, j'ai essayé de récupérer le maximum que je pouvais. Voilà, je suis toujours mené à 2 à 0, il a son équipe, j'ai la mienne. Moi j'avais essayé de faire une équipe de France, avec à peu près les titulaires, bon j'avais pas Pogba, mais sinon on retrouve du Valbuena, du Benzema, tout ça. Donc voilà, moi, je vais vous commenter la vidéo, et c'est parti, allez on y va. Allez, c'est un corner pour Valbuena. Un très beau match, hein. Très beau match, de très belles occasions de la part de Ronnie qui est vraiment très 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 fort. Il passe un tir qui est pas très pas passé loin du tout là, juste au-dessus de la barre. Bon, un petit coup franc pour tirer par Alessandrini. C'est capté par Ruffier. Bon, Ruffier dans ce match m'a fait de bons arrêts, mais beaucoup de boulettes sur les relances. Voilà, et le but magnifique, magnifique but de Blaise Matuidi, parce que Rodi avait fait une petite Ligue 1, voilà, sur sa patte gauche, hein. Ça, c'est vraiment un très très bon joueur, Blaise Matuidi, dans ce FIFA. Allez, une autre case, relance du gardien. Une de bien placé. Balle en profondeur. Le centre. L'interception du gardien. Beaucoup de sorties du gardien dans les vidéos précédentes, j'avais souligné aussi. Une balle en profondeur. La frappe. Ouh, quel bel arrêt. Et la possession du ballon de Chéroni. Une perte de ballon au milieu de terrain. Allez, on repart. Une, deux. C'est bien joué. Blaise Matuidi, attention pour la frappe, le but en pleine lucarne, oh là là, magnifique, magnifique. Blaise Matuidi des deux côtés, oui, Blaise Matuidi joue des deux côtés, c'est un clone. Voilà, il est cloné tellement qu'il est bon et ils en ont fait plusieurs dans FIFA. C'est un peu mieux pour tout le monde aussi, vous me direz. Donc voilà, Blaise Matuidi ne fait pas de jaloux, il marque des deux côtés, sur sa patte gauche. Très bon. Bon, un peu moins bon de son pied droit, mais bon. Des fois ça arrive qu'il fait des miracles. Franchement, c'est un très 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 bon joueur. Et bon récupérateur, assez vif. Intercepte très bien les ballons. Allez, on pose le jeu. Voilà, il y a un triangle. Ça passe un petit peu. Des fois ça passe pas, mais bon. Allez, encore un centre. Deuxième poteau. La tête juste au-dessus de la casette. La casette très bon aussi. Très bon joueur. Très vif. Très très vif. Petite roulette de Benzema. Il cherche une solution, mais non, intercepté, voilà, parce que très bonne défense, il joue très bien, c'est vraiment un petit crochet, la frappe, bon, sans problème pour le gardien. Allez, une attaque faite par Ronnie, interceptée par la défense, Tremolinas qui se lance, qui joue les terrains, petite faute sur Benzema, un coup franc. Allez, il joue en 1-2. Ouais, petit passe au milieu de terrain. Oh, le jeu 2, la belle combinaison. Oh, Mathieu Debuchy. Mathieu Debuchy qui tire juste à côté du poteau. C'est pareil, Debuchy quand il monte, des fois il peut marquer. J'ai déjà marqué plusieurs fois avec lui. Oh, ça, assez bon défenseur en DD. Bon, après, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Oh, la frappe repoussée par le gardien. Qui a eu chaud, hein. Ronnie, il a eu chaud, il a eu très très chaud, mais je suis mené toujours 3 buts à 1. Voilà, on est à la 70e minute. Une petite faute. Allez, au milieu de terrain. Le long ballon. Oh, le ciseau qui passe juste à côté. Un ciseau bien tenté par mon adversaire. Je vous ai dit, il a vraiment du talent. C'est Ronnie, le petit Ronnie, comme on l'appelle. Bon, il y a le grand, mais bon. Voilà, il y a le petit aussi. Allez, Tremolinas sur l'aile gauche.
Tremolinas qui cherchait une solution avec Nasri. Nasri qui partit sur l'aile. Nasri qui percute sur l'aile gauche. Qui va peut-être centrer. Nasri qui s'enferme. Et le centre. Ouh, c'est pas passé loin. Heureusement que le gardien était là. Et contre-attaque. C'est une contre-attaque interceptée par la défense. Valbuena qui intercepte le ballon, qui fait une balle en profondeur. Attention, la casette qui est partie. Le poteau, la reprise qui a suivi. Heureusement qu'il était là. Matuidi, encore. Vous voyez comment il est énorme à la base. Je répète, Matuidi, il est en MDC. Hein. C'est même pas un milieu off. Mais bon, voilà. Il est toujours là dans les bons coups. Allez, ça joue bien, attention, le but, oui, la frappe magnifique de la casette, et remonte à 3-3, c'est l'égalité, il reste plus beaucoup de temps, il reste vraiment plus beaucoup de temps, on est à la 83e minute, il me semble, une petite faute, non, même pas signalée, allez, le 1-2, ça joue bien, les joueurs étaient très fatigués, vraiment vraiment fatigué, là on est à la 90e minute, il reste 2 minutes, égalité, la petite balle en profondeur qui passe pas, le L est triangle, l'interception, la petite passe en profondeur, attention, et le but qui délivre l'équipe, je rappelle que j'étais mené 2 buts à 0 et je suis monté à 3 buts à 0 et je remonte à 3-3 et après j'enterre petit Ronnie avec un 4-3 magnifique, la casette, Matuidi, ce match ils ont été vraiment précieux, vraiment énorme, vraiment 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 énorme. Petite faute en fin de match, petit coup franc. Alors là, comment va-t-il le jouer? Je rappelle que dans tous les FIFA, et depuis très longtemps, si vous mettez très longtemps à choisir votre tireur, au bout d'un moment, il tire tout seul. Là, c'est un peu trop long. Voilà. Sa dernière case en plus. Là, c'est un peu trop long. Il change de joueur et voilà. Voilà. C'est un problème. Voilà. C'est qu'il shoot tout seul. Avec une sorte de petit carré. Voilà. Le match est terminé. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des petits likes ou pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.